Donc, je remercie la MG Maroc de m'avoir euh, invité à, pour animer cet atelier donc, qui, qui est intitulé Les Ictères cholestatiques. Quelle démarche au quotidien J'ai essayé d'être le plus pratique. C'est une question de chirurgie avant tout. Euh, N'ayez crainte. Euh, la partie réservée à la chirurgie proprement dite, elle ne sera que très bref au, au désarroi de mon ami Hassan Stata avec qui on a fait ensemble le début de notre spécialité et on a eu deux spécialités un peu divergentes mais lui il est aussi très, très impliqué et imbibé de cette chirurgie viscérale. Donc euh, avant de commencer s'il vous plaît, si vous voulez bien vous connecter avec vos portables sur ce site-là, menti.com. Donc, on va, je vais vous poser quelques questions interactives. Madame, pas que, euh, ne, je ne donne pas de mauvaises notes. Toutes les réponses sont justes. Donc, connectez-vous à menti.com et vous introduisez ce code-là 150340. D'accord. Donc, il y aura un élément interactif. Donc, euh, c'est la première fois que je vais tester cette activité-là. Donc, c'est bien. Donc, euh, si c'est OK, je vais commencer. Donc, on reverra tout à l'heure le. Donc, les hectares. Donc, C'est une question essentiellement chirurgicale. Donc, c'est une. Euh... Essentiellement chirurgical, dont les objectifs, donc on va les voir, on va expliquer qu'est-ce que c'est un ictère cholestatique, quelles sont les, les actions physiopathologiques et identifier les principes. Déterminer la, la démarche diagnostique et bien sûr proposer un protocole thérapeutique, thérapeutique aux patients. Donc, euh, première question. Donc à la salle. Ce qui n'est pas un ictère cholestatique. D'accord, s'il vous plaît. Donc voilà. Est-ce que vous allez choisir les possibilités sur le, le test, sur le questionnaire Donc vous allez choisir parmi les éléments. Vous avez déjà répondu, c'est bien. Donc euh, qu'est-ce qui n'est pas ictère cholestatique Donc euh, il y a quelques participants. Je crois une seule personne. Oui. Donc voilà. Donc qu'est-ce que qu'est-ce qui est ce qui n'est pas un ictère cholestatique? Voilà. Donc il y a cinq six propositions. La cirrhose, les tumeurs du foie, la maladie de Gilbert, tumeurs de la tête du pancréas, les hyperhémolyses et la lithiase biliaire. Donc, donc euh, la cirrhose, vous vous connectez, menti.com, avec le indac et vous allez répondre et on va voir. Donc euh, je, on arrête Rose, très bien. Donc on va voir les, les réponses correctes. Maladie de Gilbert et les hyperhémolyses. Donc ce sont des ictères, oui, mais ils ne sont pas cholestatiques. Vous allez me dire pourquoi vous me posez cette question. Vous avez tout à fait raison parce que ce qui va venir juste après c'est ce qui n'est pas ictère Obstructif. Et ici, je vous invite à choisir parmi les possibilités. Voilà, entre cirrhose, tumeur du foie, les hépatites, tumeur de la tête du pancréas, ictère gravidique et lithiase biliaire. Voilà, qu'est-ce qui n'est pas obstructif Tout à l'heure, on parlait des ictères cholestatiques. Maintenant, on parle de ce qui est Obstructif. On va voir les réponses. Donc la suivante. Non, c'est ça. Donc voilà, on a, ce, on a une réponse cirrhose. On a les tumeurs euh, du foie, les hépatites, les tumeurs de la tête du pancréas, l'ictère gravidique et l'ithiase biliaire. Bon, je crois que ce n'est pas la peine que je fasse même la présentation, puisque tout le monde a compris. Effectivement, effectivement le, la réponse correcte était les hépatites et les ictères gravitiques, ce ne sont pas des ictères obstructifs. Donc j'ai fait essentiellement ce petit test pour voir les différentes possibilités, voilà, effectivement. Et ce qui reste, ce sont des ictères chirurgicaux. Vous avez constaté que j'ai utilisé trois terminologies différentes. Et effectivement, pour nous, ce sont des situations pratiquement semblables, pour nous, pratiquement semblable, mais il y a des petites nuances. L'ictère cholestatique, oui, mais il y a l'ictère obstructif. Et maintenant, depuis quelques années, une quinzaine, vingtaine d'années, ce n'est pas tous les ictères obstructifs qui sont chirurgicaux. Donc, euh, maintenant, qu'est-ce que c'est un ictère chirurgical Et donc, pour dire que les ictères cholestatiques sont des pathologies qui sont très semblables, ce sont, ce sont des pathologies multiples, qui ont des conséquences physiopathologiques identiques, avec des manifestations cliniques identiques, et les principes thérapeutiques sont aussi identiques. Mais ils diffèrent en deux choses importantes c'est. Les étiologies et bien sûr le pronostic de ces maladies. Il faut savoir d'emblée que les ictères cholestatiques, dans 70% des cas, deux malades sur trois, c'est soit une lithiase, soit un cancer de la tête du pancréas. Donc, déjà, le malade, si vous arrivez à diagnostiquer l'ictère cholestatique, c'est probablement un de ces deux cas. On va voir. Et là, vous avez trois individus qui sont mères de, de cancer de du pancréas. Donc qu'est-ce que c'est la cholestase, les ictères cholestatiques ben, C'est chaque fois, chaque fois quoi, madame La sécrétion biliaire, effectivement. Il y a chaque fois qu'il y a une diminution de la sécrétion biliaire, et précisément, c'est que la bile n'arrive pas au niveau de l'intestin. Mais elle est due essentiellement à un défaut de la sécrétion. Donc, ces deux éléments-là, ce ne sont pas des synonymes de la stagnation. Alors que dans le cholestase, on a l'impression que c'est de la bile qui stagne. Pas nécessairement. C'est essentiellement une absence de sécrétion de la bile. Essentiellement les sels biliaires, la bile et Et dans cette pathologie-là, il faut nécessairement avoir au moins deux choses les gamma-GT et la phosphatase alcaline qui sont augmentées. Ce sont les tests de routine. Bien sûr, il y a un autre test qu'on verra tout à l'heure qui est le 5' nucléotidase, mais il pas de, on ne le demande pas de façon globale. Automatiquement, c'est de la bilirubine conjuguée qui est retenue, d'où le terme de rétention, ictère rétentionnel. C'est pour ça que le fait d'utiliser le terme ictère cholestatique comme synonyme à un ictère rétentionnel vient de là, parce que la bilirubine conjuguée n'est pas excrétée ou sécrétée donc, elle ne passe pas au niveau de l'intestin. et donc, elle ne va pas avoir ces actions physiologiques nécessaires. donc, ictère, première chose, c'est quoi? c'est une coloration jaune des téguments. et bien sûr, tout simplement, c'est une coloration jaune. donc, c'est un diagnostic clinique visuel déjà. et déjà, vous pouvez connaître le dosage. Puisque inférieur à 15 mg par litre, la bilirubine est un subictère et au-delà de 30, c'est un ictère franc. Et quand vous allez diagnostiquer cet ictère cholestatique, votre principal souci c'est de connaître où est-ce que l'obstacle se situe et bien sûr pour connaître l'obstacle, il faut connaître l'anatomie des voies Biliaire. Je ne vais pas faire un, un speech sur l'anatomie des voies biliaires, puisque vous la connaissez, ça ne sert à rien. L'essentiel, vous la connaissez, les, les éléments, l'arbre biliaire, vous le voyez que l'arbre la, la, biliaire commence au niveau de l'hépatocyte, par les canalicules biliaires, qui vont se regrouper pour donner un premier canalicule, un canal segmentaire, puis le canal segmentaire qui vont s'unir pour donner, euh, au niveau du lobe, puis le canal hépatique commun pour euh, donner ce... Euh, se déverser au niveau de l'intestin. Donc l'ictère rétentionnel, c'est un, un ictère qui est dû à une bilirubine conjuguée. Deux étiologies principales. Soit c'est l'hépatocyte qui ne sécrète pas, donc c'est une maladie de l'hépatocyte, donc une, un problème d'insuffisance hépatocylaire qui va être associé, soit qu'il y a un problème à l'écoulement, donc il y a un obstacle sur les voies biliaires. Donc ce sont les deux les éléments qu'il faudra. Retenir tout au long de cette euh, présentation. Quand on dit ictère ob euh, obstructif, je viens de le rappeler, il y a les petits canalicules au niveau de l'hépatocyte. C'est vrai que s'il y a un obstacle à ce niveau et il n'y a pas de passage, on n'aura pas de dilatation, ce qui est intuitif pour nous obstacle, stase, dilatation. Lorsque ce sont les petits canaux, il n'y a pas de dilatation. Donc l'anomalie, il faut aller la rechercher au niveau histologique. Et l'ictère peut être. Absent parce que l'atteinte la, peut être juste segmentaire et l'autre reste du, du foie peut être euh, fonctionnel et euh, donc l'ictère peut ne pas apparaître. Alors que dans l'autre situation, lorsqu'il y a une atteinte de, des gros canaux, il y a un obstacle, il y a un ictère et bien sûr, il y aura une dilatation dans le diagnostic va être essentiellement échographique. Donc, conjuguée, tout cela on l'a vu. Donc, les conséquences physiopathologiques. À travers ces données-là, on peut automatiquement faire ressortir toute la clinique. En connaissant l'action de la bile, l'intérêt physiologique de la bile, on va savoir automatiquement quelles sont les conséquences cliniques de cette absence de bile dans l'intestin. Et essentiellement, on va les voir successivement, et ce sont vos signes cliniques qu'il faudra aller rechercher. D'accord donc le malade est devant vous dans le cabinet. qu'est-ce que vous allez faire? il est dans votre, euh, dans votre, devant vous dans le bureau. vous allez l'examiner. donc le diagnostic, il est très simple. il est fait cliniquement. vous n'avez même pas besoin d'examen. De, et quel est l'élément fondamental, d'ailleurs? on le retrouve dans l'intitulé de la question. c'est l'ictère. et donc là, tout le monde est, reconnaît l'ictère. c'est une coloration jaune des téguments. donc c'est un simpson qui est devant vous. Un Homer, Simpson, pour ceux qui connaissent les, les bandes dessinées, d'accord C'est l'image que j'ai mise au, au début, d'accord C'est quelqu'un qui est jaune, et ça, vous allez le reconnaître facilement. Vous allez me dire, il y a certaines situations où la coloration jaune peut être due à autre chose. Vous avez tous, il y a une jante féminine assez importante, tous ont eu des enfants, et quand ils mangent les carottes, ils ont toujours... De la coloration jaune, soit au niveau des doigts, soit au niveau euh, autour de la bouche. S'il s'essuie des fois les yeux, vous allez retrouver aussi sur, euh, en sous-oculaire. Mais toutes ces situations, toutes les colorations jaunes des téguments qui peuvent être soit dues à la carotène ou encore aux fruits rouges ou à certains médicaments, vous n'allez jamais retrouver cette coloration en dehors de la peau. Vous n'allez pas la retrouver. Au niveau des conjonctives et vous n'allez pas la retrouver au niveau sublingual. Donc voilà un élément diagnostique fondamental puisque déjà vous écartez, est-ce que c'est réellement une coloration due à un médicament, une, euh, une attitude, un comportement alimentaire particulier riche en, en ces produits et bien sûr vous allez avoir, là, vous allez compléter votre examen déjà au niveau sub -conjo euh, conjonctival ou sous vous allez identifier l'ictère étant reconnu. Deuxième attitude à adopter devant le patient, c'est de dire est-ce que c'est un ictère cholestatique ou non cholestatique, dans la bilirubine conjuguée ou la bilirubine non conjuguée. Et tout cela devant vous. Et là, ce sont les. Toujours devant vous. Vous êtes dans le cabinet. Euh oui. C'est vrai que l'échographie est maintenant la main du... Ouais, mais avant même de passer à l'échographie. Très bien, c'est l'examen toujours. C'est Ce le syndrome de cholestase. Les urines foncées. Un ictère cholestatique est toujours accompagné d'urine foncée. Un ictère à bilirubine non conjuguée ne s'accompagne pas d'urine foncée. L'ictère cholestatique s'accompagne d'urines foncée. Donc vous allez demander au patient... Coca, un bon bordelais. Donc, chacun a sa boisson, vous pouvez lui poser les questions que vous voulez et donc et vous aurez la réponse. Donc, première chose, c'est les urines. Deuxième chose, les sels. La blouse, mastic. Comme c'est exceptionnellement une, une blouse blanche. Elle a perdu sa, elle a terni. Donc, mastique, on la retrouve. Donc là, le mastic, il est reconnaît. Donc, déjà, le patient est frappé, parce que c'est quelque chose assez, qui, qui marque énormément le, le patient. Lorsqu'il va voir sa selle, il va trouver qu'elle est blanche. Donc, vous avez deux questions à poser. Est-ce qu'elles sont blanches ou est-ce qu'elles sont noires En pensant à... Au D'accord Donc, déjà, normal, mais essentiellement, elles sont blanches ou noires. Donc, déjà, vous avez les urines foncées, les sels décolorés. Chose qu'on demande rarement, les sels On ne le demande pas. Il faut lui poser la question. Quand vous vous lavez, puisque nous avons une culture de se laver le siège par de l'eau, eh ben, il ressent qu'à ce que l'eau, je lui est-ce que c'est huileux Et effectivement, il trouve que oui. Alors je lui dis, c'est Et donc là, c'est un élément fondamental de la cholestase. c'est-à-dire qu'il y a un défaut d'absorption des, des, des graisses parce qu'il y a un défaut de sel biliaire et autres. Élément fondamental, c'est l'ictère. Donc, vous voyez tous les éléments, vous les avez devant vous dès que vous posez la question au patient. Donc, c'est un élément diagnostique facile. Il est rare que l'ictère cholestatique puisse perdurer dans le temps pour que les troubles nutritionnels et le déficit des vitamines, euh, vitamines l'absorption des vitamines liposolubles, se puissent se manifester, mais on peut les voir. Et je crois que l'élément le plus fondamental et le plus fréquent est que les chirurgiens ont toujours la Dès qu'on a un ictère cholestatique, on a toujours peur des hématomes. Donc on va toujours demander l'injection de la vitamine. Je reviendrai tout à l'heure sur cet élément-là. Mais on peut avoir des troubles d'absorption des, des, des vitamines liposolubles. Et soit le patient va avoir des troubles de la vision nocturne, puisqu'il y a un défaut d'absorption de, euh, de, de la vitamine A. soit... Une ostéomalacie, vous comprenez qu'il faut réellement du temps pour qu'elle puisse s'installer. C'est exceptionnel, mais il faut, il faut poser toutes les, dire toutes les situations. Une faiblesse neuromusculaire avec le déficit en vitamine E, ou encore, comme on a dit, les hématomes et la tendance à saigner. Le plus souvent, c'est l'un des premiers signes. Déjà, quand il se brosse les dents, il vous dit, c'est depuis quelque temps, dès que je me brosse, ça commence à saigner. Et là, c'est un bon signe euh, diagnostique de l'hypovitaminose K. Donc vous avez vu, vous avez pu faire la distinction entre ce qui est ictère cholestatique à bilirubine conjuguée et les ictères non cholestatiques. Et donc déjà par l'examen clinique, vous pouvez déjà écarter cette étiologie là. Et là l'autre étiologie, c'est quoi Soit c'est un excès de production de l'hème qui sera catabolisé pour donner de la bilirubine, ce sont les, toutes les, le chapitre des hémolyses, ou un déficit enzymatique qui va permettre la conjugaison de, de l'hème et, et sa conjugaison pour qu'elle soit sécrétée dans la bile. Et dans ce cas-là, lorsque la phosphatase alcaline et le gamma-GT sont tout à fait normaux, ce n'est sûrement pas un ictère cholestatique. Donc tous les ictères non cholestatiques, phosphatase alcaline et gamma-GT sont tout à fait normales, il n'y a pas d'urine foncée, il n'y a pas de sel décoloré, il n'y a pas de sel biliaire qui passe dans le tube digestif. Donc, il y a une accumulation et il y a un prurite. Dans ce cas-là, si vous n'avez aucun signe de syndrome de cholestase, c'est probablement soit un ictère hémolytique, soit un déficit enzymatique qui est responsable. Et là, vous avez pratiquement une liste exhaustive des différentes euh, causes des ictères non cholestatiques. On est d'accord avec essentiellement toutes les causes euh, des molises, qui peut être soit une fragilité capillaire, euh, de la, un capsulaire de, du globule rouge, soit euh, une, une cause septique, infection, paludisme. Donc tous les ictères, les, les molises, euh, le sport, les valves, les valves euh, et les déficits enzymatiques, le plus souvent qui sont congénitaux et qui ne euh, qui, qui qui peuvent apparaître dans certaines situations de stress ou apparaître d'emblée lorsqu'il lorsqu y a une perte des deux zygotes, des deux allèles au niveau du chromosome. Maintenant, on va s'attaquer à l'ictère cholestatique proprement dit. Donc, on a reconnu le sein, sur le plan clinique. Et donc, on va continuer. notre investigation par un examen physique. Les éléments, les données de la biologie et bien sûr la radiologie, hein, en leur tête de fil, l'échographie. Et en jouant avec ces trois éléments, on pourra facilement obtenir notre diagnostic. Et qui dit diagnostic, c'est une partie du traitement, puisqu'on saura comment prendre en charge notre patient. Donc, euh, ictère rétentionnel, et maintenant j'utilise le terme d'ictère rétentionnel. D'accord De rétentionnel. Donc soit il s'agit d'une anomalie au niveau de l'hépatocyte, soit c'est une obstruction. Et dans ce cas-là, lorsqu'il s'agit d'une anomalie de l'hépatocyte, l'ictère cholestatique est dit un ictère hépatique. Lorsque l'étiologie est due à un obstacle, le plus souvent on dit un ictère extrahépatique. Et vous voyez, il y a tellement de terminologies. J'ai essayé d'être le plus clair parce que moi aussi, lorsqu'on préparait les, ces questions sur le, euh, au cours de la, pour la maîtrise et l'agrégation et les concours, c'était là où ils nous attendaient. Est-ce qu'on avait bien compris les choses Est-ce qu'on a bien écarté les choses qu'il faut écarter Est-ce qu'on a bien retenu les choses qu'on. Euh, c'était ça. Et donc, faciliter les choses. Donc, et là, devant vous, le patient, déjà, vous avez avancé dans votre diagnostic et vous allez voir que ça va être par la suite très simple. Deuxième étape, vous allez mettre votre patient sur la table d'examen et vous allez rechercher certains éléments. Et essentiellement, quand on dit un ictère rétentionnel, ictère obstructif, cholestase, on aura essentiellement un foie qui devrait être gros, une petite hépatomégalie, avec un aspect verdâtre lorsqu'on va l'opérer, et bien sûr, avec un bord mousse lisse. Bien sûr. Tout à l'heure, vous allez me dire que la cirrhose, je l'ai retenue comme un ictère cholestatique. Dans ce cas-là particulier, le bord est tranchant et parfois, la surface, elle est irrégulière. Et là aussi, les antécédents, on va les voir tout à l'heure. Donc, premier élément clinique, c'est l'hépatomégalie mousse qu'il faudra rechercher. Deuxième élément qu'il faut rechercher et être attentif, c'est de voir s'il n'y a pas une tuméfaction. Vous allez me dire la première chose, c'est l'inspection. Oui, effectivement, mais des fois, elle n'est pas visible et ce n'est qu'au moment de la palpation qu'on va pouvoir ressentir cette vésicule biliaire qui est distendue, pyriforme, bien sûr, rénitente Elle n'est pas dure, elle est rénitante et qui dit que c'est la, la vésicule qui est rengorgée de bile. Il y a, pas de, il y a un obstacle, il n'y a pas de passage, donc, et vous connaissez automatiquement, c'est la loi de Courvois et Terrier, surtout si c'est un sujet âgé, avec un ictère cholestatique, urine foncée, celle décolorées, prurite. vésicule palpable, c'est un néo de la tête du pancréas jusqu'à preuve du contraire. Rappelez-vous, 70% des ictères cholestatiques, c'est soit un cancer, soit une lithie vésiculaire. Comment Calcul au cas la vésicule peut ne pas être palpable et si elle est palpable elle n'est pas rénitante, elle est dure. D'accord Effectivement, c'est par ordre de fréquence, c'est une pathologie qui est moins fréquente que le néo de la tête du pancréas. Effectivement, si vous avez trouvé une masse dure, indurée au niveau de l'hypochondre droit, douloureuse, pierreuse, c'est probablement un cancer de la vésicule biliaire. Effectivement. Là, je vous montre la vésicule. Comment Elle est distendue. D'accord. Vous voyez comment elle est distendue et c'est normal que vous puissiez la palper et même la voir comme chez l'autre patient. La seule chose qui manque ici, c'est qu'il n'y a pas l'aspect verdâtre du foie. Je ne sais pas pourquoi. Je ne me rappelle pas, euh, la, la photo quand je, quand, quand je l'ai récupérée, c'était essentiellement pour montrer la vésicule. Mais il y a effectivement ce détail-là qui, qui manque euh, et elle n'est pas... Comment Là, n'est pas parcello. Non, non, c'est une sous costale On voit très bien. Là, on d'aspiration, canule d'aspiration. Troisième chose à rechercher à l'examen clinique, ce sont les dépôts, les, xanthé, euh, les xanthomes ou les qui sont, ce sont des dépôts de graisseux qui peuvent se voir au niveau des, des paupières, au niveau des coudes. Là aussi, sincèrement, j'ai une petite expérience. À côté, devant vous, elle est très courte, mais en 15 ans ou 20 ans, je n'ai jamais vu ça. Le plus souvent, c'est beaucoup plus lorsque c'est ancien, beaucoup plus associé à un trouble de cholestérol de, des éléments lipidiques, mais on peut les voir dans les ictères cholestatiques. On est d'accord Habituellement, c'est ce qu'on enseigne. D'ailleurs, chaque fois avec les étudiants, je leur dis moi, je n'ai jamais vu ça. Je vous dis ce qu'il y a dans la littérature. Maintenant, la biologie. Alors, la biologie. À quoi elle va nous servir, à votre avis Confirmer, orientation diagnostique, essentiellement pour être confirmé. Parce que si vous avez encore un petit doute, exemple dans, la, dans le cadre d'une cirrhose, parce qu'on ne sait pas est-ce que réellement c'est un obstacle ou pas un obstacle, c'est pour confirmer et voir les conséquences de la cholestase. Et là, on a dit la cholestase, c'est d'abord les phosphatases alcalines gamma-GT qui sont augmentées. La bilirubine conjuguée, elle est là, augmentée par rapport à l'autre bilirubine. Et bien sûr, 5-prémiliclotidases, qui est un élément déterminant de la cholestase, elle n'est augmentée qu'en cas de cholestase, mais ce n'est pas un examen de routine. Donc, ce n'est pas la peine de le demander. De toute façon, au Maroc, je crois, aucun des laboratoires ne le, font, ne le fait sur place. Donc, ils sont tous sous-traités à l'étranger. Et bien sûr, un élément, je ne sais pas, je ne l'ai jamais demandé le bilan biologique, le bilan belge. toute la batterie c'est le seul qui donnait ça. Et maintenant, il n'y a plus cette convention avec, euh, entre l'hôpital et la Belgique. Un élément fondamental, on a dit, confirmer et voir les conséquences. L'une des conséquences les plus importantes, c'est le T.P. D'autant plus que icter -cholestatique, dit icter cholestatique dit, icter obstructif dit, icter chirurgical intervention chirurgicale, avant d'opérer le malade, il faut que, être sûr que l'ETP... D'ailleurs, chaque fois que un malade rentre chez nous au service quand il est hospitalisé, la première chose, dès que je vois qu'il est ictérique dans la visite, est-ce que vous avez fait l'ETP Est-ce que vous avez programmé euh, l'achat et l'injection de la vitamine K Automatiquement. C'est parmi les... Euh, non. non. Le temps... Le taux de saignement, il est beaucoup plus intéressant dans l'exploration des thrombopathies, c'est-à-dire que il y a un, un anomalie au niveau de la du caillot plaquetaire, la formation du caillot plaquetaire. Là, c'est beaucoup plus, vous comprenez, c'est la voie exogène. Euh, la, en, oui, en doute Comment C'est possible qu'elle soit augmentée, c'est possible, mais si vous voyez, c'est trois fois la norme, deux fois ou deux fois et demi la norme. De, euh, elle est, elle est, l'augmentation, elle est limitée parce que c'est tout à fait normal. La stagnation, la stagnation, la stagnation. Le foie n'arrive plus à éliminer, il est, go, euh, il est engorgé. Donc, il, la, le, le, la bilirubine ne rentre plus au niveau du foie pour qu'elle soit euh, conjuguée. Donc, c'est tout à fait par un mécanisme de stockage. la stock à à donc, avant qu'elle ne se conjugue, il y a augmentation des taux. Mais l'essentiel, c'est que l'augmentation, elle est essentiellement due à la bilirubine conjuguée. Et bien sûr, toujours devant votre patient, vous pouvez faire la distinction. Maintenant, on a fait la distinction entre ictères cholestatiques et les ictères non cholestatiques. Maintenant, vous pouvez faire aussi la distinction entre un ictère cholestatique d'origine hépatique ou extrahépatique toujours en examinant votre patient sans passer à la biologie. pourquoi? parce que lorsqu'on suspecte une anomalie au niveau du foie, il y a le plus souvent des antécédents qui nous orientent soit un alcoolique, soit une hépatite dans les antécédents, soit une prise médicamenteuse régulière et bien sûr tous les signes de l'insuffisance hépatocellulaire qui peuvent apparaître, acide, turgescence, circulation veineuse collatérale, angiome stellaire, érythrose palmaire... Toutes les signes, on peut les retrouver. Et bien sûr, avec l'hépatomégalie, l'acide, le, le ventre en batracien, tous ces éléments, vous les avez euh, à la clinique. Et bien sûr, les autres étiologies, donc à, à dans ce, ce moment-là, on va réfléchir et se rappeler quelles sont les étiologies. Et vous allez retrouver facilement les hépatites, toutes les hépatites, qu'elles soient virales, alcooliques, auto-immunes, les drogues, euh, un élément fréquent. La cholestase qui peut être fréquemment rencontrée en médecine générale, c'est la cholestase de la femme enceinte, d'accord Et toutes les autres causes, la nutrition parentérale et les infections, c'est le plus souvent dans un autre cadre. On est beaucoup plus attiré par d'autres signes que par l'ictère. L'ictère est un signe qui, qui, qui accompagne et non pas le signe d'appel dans ce cas-là. Examen physique, biologie, reste la radiologie. Et donc on peut voir que l'examen physique avec la radiologie va nous orienter vers et nous donner l'étiologie. Et donc dans ce cas-là, comme l'a dit notre collègue tout à l'heure, l'échographie, elle aura essentiellement pour but, ou toute imagerie, va avoir comme but le, la recherche du niveau de l'obstacle. Obstacle. Obstacle qui va intéresser soit les petits canaux, dans ce cas-là, il peut ne pas être visible, et à ce moment-là, il faudra céder par une biopsie du foie, et l'ictère peut être absente, soit c'est comme on a déjà vu ça, et donc soit il y a l'obstacle, il faut aller rechercher à la dilatation. Donc l'échographie, elle va nous donner, la clinique, une bonne orientation, et l'examen radiologique, il aura pour but essentiellement de rechercher et de confirmer l'obstacle extra-hépatique, de déterminer le niveau, parce que le niveau va vous permettre d'orienter votre patient au spécialiste qu'il faut, reconnaître la nature de l'obstacle, et bien sûr, il va nous permettre de faire un bilan, le plus souvent lorsqu'il s'agisse de pathologie néoplasique, un bilan d'extension de la maladie. Donc, on a vu les anomalies pathocytaires. Maintenant, on s'attaque aux obstructions. Et là, comme je vous ai dit, c'est il faut vous avoir en tête l'arbre biliaire. Plus l'obstacle est bas, plus la dilatation va intéresser tout l'arbre biliaire. Et vous imaginez que chaque fois que je vais s'élever dans le niveau, plus l'obstacle va, les éléments qui vont être dilatés vont diminuer. Et bien sûr, si j'ai un obstacle à ce niveau-là. À ce niveau, la vésicule ne va pas être dilatée. Et c'est pour ça que, rappelez-vous, par ordre de fréquence, tout à l'heure on l'a dit, lorsqu'il y a un ictère cholestatique avec une vésicule palpable, c'est probablement une tumeur de la tête du pancréas. Au fait, si on vient sur le plan anatomique, ça peut être une tumeur aussi bien de la voie biliaire du cholédoque, tumeur de la tête du pancréas, ampulum vatérien, ou un, un calcul obstructif ou une sténose bas située. De toute façon, c'est quelque chose de plus bas. Donc, la, la dilatation de la vésicule biliaire, une vésicule biliaire papale, vous oriente automatiquement vers le niveau de l'obstacle. Donc, l'arsenal des examens complémentaires qui, qui est devant nous. Donc, on vient d'acheter énormément de matériel militaire. Donc, on va acheter d'autres euh, trucs euh, comme examens c'est l'échographie. Et là, l'échographie, elle a un point central. Parce que, un, pratiquement tous, vous avez un échographe chez vous en consultation, il suffit de poser et vous allez rechercher la dilatation. Appliquez-vous un peu plus pour essayer de voir le niveau de l'obstacle, sa nature. D'accord Donc, 95% des cas, on va voir la dilatation. Lorsqu'on a suspecté sur le plan clinique, qu'il s'agisse d'un nictère cholestatique sur un obstacle, sur les, des voies biliaires, par les éléments cliniques qu'on a vus, dans 95% des cas, vous allez voir cette dilatation. Et dans 90% des cas, vous allez voir le niveau de l'obstacle. Vous avez vu. Avec tous ces éléments, vous les avez vus. Et qui a vu le niveau de l'obstacle Il a une idée sur l'étiologie. Ça fait là, le niveau de l'obstacle, le et sa nature. Vous saurez, est-ce que c'est un calcul C'est une tumeur. Voilà le diagnostic est fait. Parfois, exceptionnellement, dans la pathologie lithiasique, on peut ne pas voir la dilatation, parce que pour qu'il y ait une dilatation, il faut que la stagnation soit de longue durée, pas de façon brutale, instantanée. C'est pour ça, que dans les calculs, on peut ne pas voir de dilatation, parce que le calcul va venir, il bouge immédiatement, il y a une obstruction complète, la bile va augmenter. Elle est faible au départ, mais l'élément le plus important ici sur le plan clinique est la douleur. C'est la colique hépatique dans toute sa splendeur. Alors que dans les autres ictères cholestatiques d'origine tumorale, l'installation se fait progressivement. On a beaucoup une dilatation très importante, parfois une simple gêne, une pesanteur sans qu'il y ait réellement de colique hépatique proprement dite. Dans ce cas-là, oui. Retard de consultation. Et, et bien sûr, dans ce cas-là, si vous suspectez un lictère cholestatique, refaites votre échographie deux jours après ou même quelques heures après une prise alimentaire de l'eau. Donc, l'échographie dans les lictères cholestatiques a un, un rôle clé. Et donc, vous voyez que c'est un examen de débrouillage pour vous. On va voir la vésicule biliaire. Chaque fois que je dis aux étudiants avec nous lorsqu'on va faire le bon, s'il vous plaît, précisez ce que vous recherchez. Toujours préciser, même vous, vous voulez de façon systématique. Je fais une échographie, pourquoi Pour voir la vésicule biliaire. Donc, sa paroi, son contenu. Ensuite, je vais voir les voies biliaires intra-extra-hépatiques, le contenu et l'aspect de la paroi. Et bien sûr, j'essaie je, de situer l'obstacle, surtout avec ce que vous avez comme élément clinique que vous avez récolté. Bien sûr, quand vous allez avoir tous ces éléments sur les, les voies biliaires, un coup d'œil sur l'aspect du foie, comment il est. D'accord Cirrhotique, micro-abcès multiple. Pourquoi micro multiple Au niveau du foie, stagnation purulente, l'infection, et qui dit infection Angiocolite. L'angiocolite, elle est là étudier le pancréas, je sais que c'est difficile, mais si le patient est maigre, avec une bonne cendre, avec un peu de patience, on peut voir un peu l'aspect du foie, euh, du pancréas. C'est sûr qu'on ne va pas donner le compte-rendu détaillé, mais on a une orientation, on sait ce qu'on va faire. Et bien sûr, rechercher les adénopathies. Donc voilà ce qu'on attend de l'échographie lorsqu'on la fait pour les ictères cholestatiques. Et quand on fait cette échographie, deux choses en tête. Un, il faut qu'on recherche l'étiologie. Et automatiquement, il faut avoir une idée sur l'implication thérapeutique que vous allez proposer aux patients. C'est-à-dire que vous allez faire l'échographie, vous savez déjà comment vous allez orienter votre patient. Si vous avez la possibilité de faire, si vous, avez, euh, vous êtes gastro-entérologue, il y a certaines choses que vous pouvez déjà faire. Si vous êtes chirurgien, il y a des choses à faire. Donc, lorsqu'on fait une échographie, il faut dire, j'ai un problème ethologique à avoir et quelle est l'attitude thérapeutique que je vais faire. Et en ce moment-là, ce sont deux choses qui vont s'opposer. Et l'élément le plus fondamental, c'est d'écarter l'urgence. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit les micro-abcès. Et bien sûr, lorsque vous avez l'urgence, l'angiocolite, vous faites le diagnostic là aussi, dans le cabinet. Et le traitement va commencer à ce moment-là, dans votre cabinet. Donc l'angiocholite est l'urgence et, et le, le but de cette urgence, une fois qu'on a fait le diagnostic, c'est la vacuité et le drainage. Dès que je fais le diagnostic de l'ictère cholestatique avec obstacle et il y a les signes d'angiocholite, il faut que assurer le drainage dans les plus brefs délais, dans l'après-midi, dans la soirée, dans les heures qui suivent. Angiocolyte, c'est la, tri la triade de Charcot. D'accord Douleur, fièvre, ictère. Mais on peut voir une angiocolite sans douleur, on peut voir une angiocolite sans ictère, une, euh, on peut voir une angiocolite sans fièvre. D'accord Il faut hospitaliser votre patient. D'accord Et bien sûr, surveiller les constantes. Donc vous voyez, vous allez commencer déjà à faire euh, euh, le traitement. Mettre une perfusion, donner des antibiotiques. Traiter les troubles hydroélectrolytiques, parce qu'il y a de la fièvre, il y a euh, un début de sepsis, tachycardie, il y a des sueurs, il y a une perte hydroélectrolytique, il faut commencer à traiter. Et bien sûr, donner de la vitamine K, d'autant plus que vous allez faire probablement un geste invasif. Donc il faut déjà, même si son TP est à 100%, il n'y a pas de problème de donner une, euh, une ampoule de, euh, de Konak. On faisait une ampoule tout, tous les jours. On a changé l'attitude, c'est devenu une ampoule tous les semaines. D'accord Parce que les réserves, elles sont importantes. Donc. Mais un élément fondamental, c'est que cette injection doit être en sous-cutanée. Chaque fois que vous avez des troubles de l'hémostase, qu'il s'agisse d'un TP bas, d'un TCA allongé, d'un temps de saignement allongé, des plaquettes basses, jamais, jamais d'intramusculaire. Soit une sous-cutanée, soit une intraveineuse directe. C'est pas un problème parce que la, la, la veine, vous allez pouvoir. La comprimer. Ça va être difficile pour. D'accord. Le deltoïde, pas le fessier. Ça y est, Bayak. Surtout laisser la main comme ça, ça posera des questions. D'accord. Pas de problème. trois minutes. Angiocolite, ça veut dire traitement, drainage de l'abcès. Et donc, vous voyez, on va passer à l'évacuation par endoscopie, par, en réalisant une sphinctérotomie et une évacuation, une colonographie rétrograde. On est d'accord Donc, voilà le traitement qui va suivre. Et le plus souvent, c'est une... En, en, en assurant l'évacuation, on va avoir le diagnostic et c'est probablement un calcul. Donc là, le, les calculs qui, qui vont migrer, ils vont naître essentiellement au niveau de la vésicule biliaire. Et quand ils vont migrer, ils vont donner tous les problèmes d'ictère. La sphinctérotomie. Donc on introduit un endoscope jusqu'à la papille au niveau de D2. On va rechercher la papille là où ça bouche le Virsung et le Colédoc. On va sectionner ce petit sphincter d'Audi pour laisser sortir donc la, euh, la, la elle est réalisée et là on va aller chercher notre calcul le plus souvent pourquoi je dis calcul parce que c'est le plus souvent un calcul dans ce cas là soit par une technique du panier c'est à dire qu'on va mettre la fougarcie et on va l'utiliser soit mettre un ballonnet pour ramonner comme le ça les cheminées pour ramener cette voie et on va faire descendre ce calcul. Voilà, on l'extrait, On vous avez ici des images de ce calcul-là sorti par une sonde de dormia. Ensuite, puisque le calcul naît toujours au niveau de la vésicule, il faut aller enlever la vésicule. Le plus souvent, c'est par colicystectomie, par trois ou quatre trocars qu'on va utiliser, extraire cette vésicule. La voilà par cellule, on la voit. On voit la vésicule là et les éléments du pédicule cystique, l'artère et le canal cystique qu'on va sectionner. Et voilà. Donc, angiocolite, implication thérapeutique en traite. Et qu'est-ce qui reste Soit c'est un obstacle, une lithiase colédo sans, sans angiocolite, donc il n'y a pas d'urgence. Soit l'obstacle est d'une autre nature, probablement tumorale, qu'il faut aller compléter. Et donc vous, vous retombez dans la situation précédente, qui est l'étiologie. Soit le diagnostic est évident, soit il n'est pas évident. Évident. À l'échographie, déjà, soit c'est un kystidatique, soit c'est une lithiase visiculaire, soit c'est un cancer de la vésicule. puisque vous faites la vésicule, rappelez-vous, je vais voir son contenu et sa paroi. Elle est dure, avec une paroi épaisse, c'est probablement un calcul au cancer. Et bien sûr, cancer du île, biliaire, voie biliaire non dilatée, mais on voit une dilatation des voies biliaires intrahépatiques énorme et cancer de Et là, on va aller au traitement d'emblée. On verra un petit mot. Soit le diagnostic n'est pas vraiment évident, et à ce moment-là, il faut rechercher l'obstacle. Et soit l'obstacle, il siège, au niveau, euh, il peut être au niveau du tiers supérieur des voies biliaires, soit au niveau du tiers moyen, soit inférieur. Et là, vous avez le choix de l'examen, va dépendre de cette orientation clinique. Soit vous allez demander soit une biliaire soit une échondoscopie, soit une TDM, soit une CPRE. D'accord une sphinctéro avec colon géographie rétrograde. Lorsque Lorsqu'il s'agit d'un obstacle haut situé, le plus souvent, on privilégie la IRM. Elle va nous permettre de voir le niveau de l'obstacle, la nature de l'obstacle, et en plus un, une précision sur le, le bilan d'extension s'il s'agit d'une tumeur. L'éco-ondoscopie, le seul inconvénient qu'elle a, c'est qu'elle est... Qu Opérateur dépendant. alors que la bilirame, on peut voir tous les mêmes images, on peut les réinterpréter. L'avantage qu'elle a, en plus, les condoscopies, c'est de faire la biopsie et d'avoir une étude. Et si on, nous, nous sommes dans un plateau euh, complet, l'endoscope, il est là, on, le malade est anesthésié, on peut faire une sphinctéro d'emblée et démarrer le traitement. Voilà les, éti les différentes étiologies des obstacles au niveau du tiers supérieur et du tiers moyen. Et vous allez voir, essentiellement, c'est la tumorale. Les, les complications, les, les sténoses inflammatoires, c'est un contexte particulier. Euh, la colangite sclérosante, là aussi, c'est un contexte particulier. Les maladies auto-immunes, c'est un autre. Vous avez des antécédents qui vont vous orienter, de toute façon. D'accord Obstacle tiers inférieur. Donc, si on pense qu'il s'agit d'un ampulum 21 ou une tumeur de la tête du pancréas ou des voies biliaires, on aura beaucoup plus à faire une endoscopie. Là aussi, c'est essentiellement pour avoir la, la biopsie, surtout si on pense qu'on ne va pas pouvoir opérer le malade. Donc là, la biopsie, elle est fondamentale pour démarrer la chimio et faire une prothèse, parce que la chimiothérapie ne pourra pas être faite tant que le patient est ictérique. Donc il faudra assurer le drainage. Donc vous devrez, vous devrez avoir une confirmation histologique. Si le patient va être opéré, vous voyez qu'il est bien portant et quand le premier examen voit que c'est un malade qui peut être résécable, donc allez à un angioscanner ou une RM Et bien sûr, la sphinctéroscopie, euh, la, la CPRE, la coloniographie rétrograde, c'est le gold standard en matière des, des tumeurs des voies biliaires, mais il est invasif, d'où son déclassement. Mais C'est ce qui a été fait. Mais l'avantage qu'il a, c'est qu'on peut faire une sphinctérotomie et évacuer le matériel. Surtout là aussi, si on ne pense pas opérer de façon curative le patient. J'ai pratiquement terminé. Les étiologies, vous les connaissez. Donc, quelques images pour voir la dilatation des voies biliaires, l'image en canon de fusil avec la dilatation de la, de la voie biliaire principale. Et vous voyez très bien l'obstacle à l'échographie avec le d'ombre. Là aussi, dilatation des voies biliaires intrahépatiques. Regardez cette voie biliaire, comment elle est dilatée. On la reconnaît facilement. L'éco-endoscopie avec cette image typique des tumeurs de l'ampoule de, de Vater avec une dilatation du virsung et une dilatation de la voie biliaire, c'est typique. Là, pour les tumeurs de l'ampoule de Vater, il y a une triade particulière, c'est qu'il y a une hémorragie digestive associée avec anémie, ictère variable. Donc rappelez-vous, je, je ne suis pas rentré dans... Puisque vous les connaissez, essentiellement, c'est la démarche qu'il faut avoir. Les tiroirs sont là. Vous savez que pour la lorsque l'obstacle est incomplet, on peut avoir un ictère variable, et c'est l'exemple type des litiases vésiculaires alors que dans les tumorales, lorsqu'il y a une sténose, l'installation se fait progressivement, l'ictère est fort. Là, déjà cliniquement, vous avez cette orientation, et vous pouvez déjà... Donc la dilatation sémiologique, euh, voilà, dilatation des voies biliaires, là, on voit très bien une tumeur de la tête du pancréas, l'avantage c'est de pouvoir faire le bilan d'extension de ces tumeurs. Et là, c'est un élément fondamental parce que sur ces éléments-là, scanographiques, j'ai mis la plaque juste pour savoir que c'est fondamental pour, en, en chirurgie. Et c'est pour ça qu'il faut bien demander un examen. Lorsque vous, euh, lorsque vous allez demander le scanner, demandez un scanner pancréatique, c'est-à-dire avec les trois temps. Artériel, euh, sans injection, un temps avec injection précoce artérielle et un temps tardif. Pour voir le système porte et pour voir s'il n'y a pas un envahissement tumoral et sur ces éléments-là, on va prendre la décision est-ce qu'on opère le malade ou on préfère le céder au gastroentérologue pour faire un drainage. Donc, vous voyez ici une bilierm avec un obstacle relativement haut et vous voyez le verson qui est dilaté, la vésicule biliaire, la voie biliaire et là l'obstacle il est à ce niveau-là. Voilà. Vous voyez ici un autre obstacle, et vous voyez qu'il a un aspect incomplet de le... C'est un calcul. Et là, c'est une sphinctérotomie qui va se faire avec une cholécystectomie par la suite. Et donc, voilà. Il faut savoir que 55% des ictères cholestatiques sont d'origine bénigne l'éthiologie est bénigne 45% sont malins. la thèse de Sésentariac. 80% des bénins, c'est une lithiase. 80% des malins, c'est un cancer de la tête du pancréas. Et bien sûr, quand c'est néoplasique, le bilan d'extension est fondamental à faire parce que si le malade n'est pas résécable, on peut céder d'une autre euh, attitude, un autre moyen thérapeutique essentiellement à viser euh, palliatif pour soulager, c'est de mettre une prothèse là aussi. Donc le traitement, lever de l'obstacle, assurer l'écoulement de la bile et traiter la cause. Traitement médical, je ne reviens pas sur la vitamine K. L'antibiotique, essentiellement dirigé contre les bacilles négatifs. Et la correction hydro, euh, hydroélectrolytique. Les antalgiques et antispasmodiques, important. Si c'est une étiologie de hydatidose, on va utiliser les antiparasitaires, essentiellement. Traitement instrumental, il y a la CPRE, on l'a vu. Traitement chirurgical, toute une panoplie, essentiellement. Donc, on va parler de la DPC qui est l'élément fondamental pour la tumeur de la tête du pancréas, la résection de la tête du pancréas et du cadre duodénal avec rétablissement de la continuité. Voilà, on revoit le pancréas, le corps du pancréas rétabli, la voie biliaire et l'antre, les tumeurs d'huile du foie. Et là, vous voyez, le problème des tumeurs d'huile du foie, c'est que... Il n'y a pas que les voies biliaires, mais il y a aussi l'artère et la veine qui peuvent être traitées, euh, atteintes. Et si elles sont envahies, automatiquement, l'exérèse du foie va s'imposer de toute façon. Et là, il faut voir l'étendue de cette extension. Si on a atteinte bilatérale, il n'y a plus rien à faire. La tumeur est là, peut-être 2 cm, mais elle, a tellement étendue, elle, est, étendue, elle est mal située, qu'on ne peut plus rien faire. Donc voilà les différents stades des tumeurs des voies biliaires. Et là, la résection, avec rétablissement de la continuité et le drainage. Donc la prothèse... Donc voilà. Donc si vous avez des questions, j'avais un cas clinique qu'on qu aurait pu discuter. Et donc, euh, si vous avez des questions. Si vous avez des questions. Alors, si vous on prend deux questions. Si vous permettez, on prend deux questions rapides et après, on, peut, on passe à l'autre atelier. Des questions Qui est clair et, et qui résume le, le tour de la question, s'il vous plaît pour l'ictère, quand, euh, quand l'ictère est causé par un, un obstacle calculaire, pourquoi l'ictère il est, il, est, il, est, il, est, il est franc, il n'est pas progressif. Pourquoi quand l'obstruction est humorale, l'ictère il est progressif et très franc. Merci. C'est la multiplication cellulaire qui va faire qu'il y a un obstacle et automatiquement le canal va se réduire progressivement. de façon progressive. Et c'est une installation progressive et l'hyper devient de jour après jour plus franc, plus intense, vers là. Pour ceux qui sont passés en réanimation médicale, les angiopolites médicales, elles sont plutôt orangées. Alors, merci. Alors que l'ictère cholestatique, c'est un Alors que l'autre, il est orangé. Il est en piscine. Il Donc c'est beaucoup plus ça. Alors que l'ictère lithiasique, c'est un calcul qui flotte. Des fois, il est là, il flotte. Vous avez vu l'IRM. Il y a un passage. Et le calcul là, s'il tombe, il s'arrête. Donc l'installation, elle est brutale avec la, la douleur. Ça va donner une petite distension, une stase, cholestase, ictère. Et comme les calculs rénaux, il va passer. Ou là, il va bouger. Et donc, s'il bougeait, il passe. Ou là il passe. Il va disparaître. Avec possible d'une réaction pancréatique, avec une augmentation de la lipase. Voilà. Oui. Pronostic. Très bien pour les pathologies calculaires, Il faut savoir, on a dit 70% cancer du pancréas. Il faut savoir que 12 sur 100 malades sur 100 pancréas, vous avez vu Pavarotti, Bill Gates ou... Là, euh, Steve Jobs ou Lakhor euh... Là, c'est avec Pavarotti. Patrick Sweisel, l'Atex. Donc, ceux-là, sur 100 malades de cancer pancréas, 12 pourront être réséqués. Et quand je dis réséqués, ça ne veut pas dire curatif à 100%. 12% de réséquabilité. La mortalité-morbidité, elle est très importante, effectivement. Le cancer de la, euh, la vésicule biliaire, je crois c'est l'un des pires cancers qu'on puisse avoir dans les hépato-biliaires. Pire que les la morbidité, elle se le plus souvent. Il faut se dire, s'il y a un, ict... un calcul au cancer avec un ictère, calcul au cancer avec un ictère, vous n'êtes jamais curatif. Merci. Docteur Malki, merci. On vous remercie infiniment pour votre exposé. Merci à vous. Merci et au nom à vous. de tous les médecins généralistes et de MG Maroc,